La santé est reconnue comme une composante essentielle du développement humain, ce qui a créé de nombreuses opportunités pour l'amélioration de la santé des populations, le relèvement de la qualité de vie et la garantie d'un avenir meilleur. En dépit de multiples contraintes, des progrès tangibles ont été réalisés par les gouvernements, les communautés et les partenaires en vue d'obtenir de meilleurs résultats sanitaires. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Les systèmes de santé demeurent fragiles et la région africaine est encore confrontée à une charge croissante des maladies transmissibles et non transmissibles, à une mortalité infantile et maternelle élevée, à des épidémies et crises humanitaires récurrentes, aggravées par la crise financière mondiale. Le dialogue politique entre l'OMS et ses partenaires du secteur de la santé, qui est fondé sur le partenariat, oriente en partie son action sur le terrain. Depuis sa prise de fonction en tant que directeur régional du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique en 2005, le docteur Luiz Gomes Sombo fait de ce dialogue politique avec le corps diplomatique résidant au Congo l'une de ses priorités. La première rencontre avec les diplomates a eu lieu en 2006 et la deuxième en 2011. La troisième rencontre du directeur régional de l'OMS avec le corps diplomatique s'est tenue dans un contexte où l'OMS est en train d'entreprendre de profondes réformes institutionnelles. L'objectif général de la rencontre de 2012 était de renforcer le dialogue politique et stratégique entre l'OMS et le corps diplomatique en vue d'accélérer le développement socio-économique en général et le développement sanitaire en particulier. Nous, chefs de mission diplomatique du siège de l'OMS Afrique, nous ferons notre devoir qui consiste à amplifier les informations reçues auprès de nos gouvernements respectifs. Le directeur régional a partagé avec les participants les réalisations liées à la mise en œuvre des orientations stratégiques 2010-2015 pour l'OMS dans la région africaine et a informé les participants des objectifs de la réforme en cours de l'Organisation mondiale de la santé et de ses implications pour la région africaine. Évoquant les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs 4, 5 et 6 du millénaire pour le développement liés à la santé, le directeur régional a indiqué que selon les données les plus récentes, la mortalité infantile a été réduite, passant de 165 à 118 décès pour 1000 naissances vivantes, mais le niveau du progrès accompli varie d'un pays à un autre. En vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte de l'OMD4, qui vise à réduire la mortalité infantile, le docteur Luiz Gomes Sombo a souligné que l'OMS propose aux États membres quatre grandes stratégies axées sur les soins du nouveau-né, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, l'intensification du programme élargi de vaccination, y compris l'introduction de nouveaux vaccins, et l'alimentation équilibrée du nourrisson et du jeune enfant. Les pays de la région africaine ont enregistré un certain nombre de progrès en ce qui concerne l'OMD5, qui vise à réduire de trois quarts la mortalité maternelle d'ici 2015. Les derniers chiffres établissent en effet un ratio de 620 décès pour 100 000 naissances vivantes. En 2010, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans la région africaine était estimé à 22,9 millions. Le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH à 1,9 million et le nombre de décès liés au sida à 1,2 million. Des études sur la séroprévalence dans la population générale menées lors des enquêtes démographiques et de santé ont établi une régression de la prévalence du VIH, qui est passée de 5,8% en 2001 à 5% en 2009. Certaines études ont montré que la circoncision masculine réduisait la transmission du VIH de la femme à l'homme d'environ 60%.
Sur la base des résultats de ces études scientifiques, la circoncision masculine figure parmi les mesures novatrices à utiliser pour la prévention de la transmission du VIH-Sida. L'autre maladie souvent associée au VIH-Sida est la tuberculose. En effet, près de 46% des patients tuberculeux sont VIH positifs et 76% des personnes sont co-infectées par le VIH-Sida et la tuberculose dans notre région. Le directeur régional a lancé un appel aux États membres pour qu'ils établissent une collaboration plus étroite et plus efficace entre les programmes de lutte contre le VIH-Sida et les programmes de lutte contre la tuberculose. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique dans la région africaine de l'OMS. En effet, 81% des épisodes de paludisme et 91% des décès pouvant être attribués au paludisme dans le monde ont été notifiés dans la région africaine. La mise à l'échelle des actions de lutte contre le paludisme a entraîné une réduction d'environ 50% de la morbidité et de la mortalité dans 13 pays. Afin de réduire les effets néfastes du paludisme dans la région, l'OMS recommande les actions suivantes. La prévention par l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Le traitement antipaludique intermittent chez les femmes enceintes. Le diagnostic et le traitement à l'aide de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et la surveillance et le suivi ainsi que l'évaluation. Dans son allocution, le directeur régional a rappelé que le financement des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en Afrique, n'a couvert jusqu'ici que 50% des besoins. J'aimerais terminer ce chapitre en lançant un appel au gouvernement des pays africains de tenir les engagements d'Abuja, demandant qu'au moins 15% du budget national soit dédié au secteur de la santé. Un appel aussi aux agences de coopération pour qu'ils augmentent leur contribution à la hauteur des besoins afin de pérenniser les acquis en matière de santé et permettre l'amélioration de l'état de santé de la population en Afrique. Les épidémies, les catastrophes naturelles et celles causées par l'homme, ainsi que les crises humanitaires complexes occasionnent non seulement d'importantes pertes en vies humaines, mais également des pertes économiques considérables. C'est en reconnaissance de ces faits que les ministres de la Santé ont décidé de créer le Fonds africain pour les urgences de santé publique, qui a pour objectif de mobiliser, gérer et décaisser des ressources supplémentaires provenant des États membres en vue de mettre en place une riposte rapide et efficace en cas d'urgence de santé publique de portée nationale et internationale. J'ai le plaisir de vous annoncer que certains gouvernements ont déjà pris la décision de verser leur contribution au Fonds africain des urgences de santé publique. Grâce au programme élargi de vaccination, plusieurs maladies de l'enfance sont en passe d'être éliminées ou éradiquées. Les efforts déployés par les pays de la région africaine ont permis par exemple de réduire de 92% la mortalité due à la rougeole par rapport au niveau de l'an 2000. Dans la région africaine, 347 cas de poliovirus sauvage ont été notifiés en 2011. Des efforts sont en cours pour augmenter l'utilisation de nouveaux vaccins, en vue de contribuer à une réduction plus significative de la mortalité causée par les maladies évitables par la vaccination. Nous faisons face à un problème de financement de la vaccination, malgré de bons rapports ou efficacité. À mon avis, nous devrions faire plus pour investir dans les infrastructures de la vaccination. Dans la dernière partie de sa communication, le directeur régional a évoqué la réforme en cours de l'OMS, qui vise à mieux répondre aux défis de santé du 21e siècle. Les grands axes de la réforme de l'OMS portent sur le processus de définition des priorités du programme général du travail, la gouvernance de l'organisation par les organes directeurs au niveau mondial et régional, et la réforme administrative, y compris de nouvelles méthodologies d'évaluation.
La crise financière internationale a eu des effets négatifs sur la capacité de l'OMS pour la région africaine. Le bureau régional a connu un déficit d'environ 400 millions de dollars des États-Unis, qui l'a obligé à se séparer d'un nombre important de membres du personnel, réduisant ainsi sa capacité à répondre aux sollicitations des États membres. Je m'en remets à la bienveillance de la communauté internationale afin que des mesures exceptionnelles soient prises pour garantir le financement adéquat de l'OMS dans la région africaine. Son Excellence Marie-Charlotte Fayanga, doyenne du corps diplomatique à Brazzaville et ambassadeur de la République centrafricaine au Congo, a notamment décrit comme très louable l'initiative de créer un fonds africain pour les urgences de santé publique, proposée par le docteur Luis Gomez Sambo et approuvée par la 61e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. L'initiative d'un fonds africain sur les urgences de santé publique est hautement louable. Il demeure l'espoir que tous nos pays adhèrent à l'idée d'un tel fonds et relèvent suffisamment son importance. C'est ici le lieu de remercier la communauté internationale et les pays amis dont les représentants sont présents parmi nous et qui ne ménagent aucun effort pour soutenir l'OMS Afrique dans ses activités. Le ministre de la Santé et de la Population du Congo, le professeur Georges Moyen, a indiqué le soutien de son pays à l'initiative de la mise en place du Fonds africain pour les urgences de santé publique. La leçon principale à en tirer est que la région, loin de baisser les bras devant ce type de défi, doit toujours de manière concertée travailler au renforcement de la couverture vaccinale et de la surveillance sentinelle. Dans ce contexte, le Congo salue et appuie l'initiative de la mise en place du Fonds africain des urgences de santé publique. En raison de la pertinence de ce forum de concertation avec le corps diplomatique et les partenaires, le directeur régional a décidé que la rencontre se tiendra désormais chaque année. Un certain nombre de diplomates ont pris la parole après les trois allocutions officielles pour marquer toute leur appréciation au directeur régional de l'OMS qui a institutionnalisé la rencontre avec le corps diplomatique. Ceci constitue en effet une excellente plateforme pour un partage d'expériences dans le vaste domaine de la coopération au développement et, de manière particulière, dans le domaine du développement sanitaire. Son Excellence Amandin Rugira, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo et en République du Congo, mais avec résidence à Kinshasa, a ainsi proposé que tous les chefs de mission diplomatique accrédités en République du Congo soient dorénavant conviés à la rencontre avec le directeur régional. C'est la troisième rencontre annuelle du directeur régional de l'OMS avec le corps diplomatique résident au Congo. Alors ma question est de savoir si tous les ambassadeurs accrédités au Congo, s'il ne serait pas intéressant de les inviter. Les orientations stratégiques reconnaissant la dimension socio-économique du développement sanitaire et proposent des axes d'intervention pour s'attaquer aux problèmes de santé les plus graves auxquels sont confrontées les populations en Afrique ainsi qu'à leurs principaux déterminants. L'objectif central de ce genre de rencontre est de s'engager et d'influer sur la politique étrangère, les acteurs du développement et les processus qui touchent au vaste domaine de la coopération au développement afin de faciliter l'action visant à promouvoir et à protéger la santé de la population en Afrique.